Nous allons voir maintenant une autre classe au niveau des comptes de bilan. Nous allons voir donc la classe 3 qui concerne les stocks. Alors là, je vous rassure, normalement, c'est surtout votre expert comptable qui va procéder à ces écritures, ce qu'on appelle d'inventaire, pour constater votre stock initial et votre stock final. Alors, nous avons vu dans les charges d'exploitation, on en a parlé en tout cas, ce qu'on appelle les variations de stock, donc le 603. Et effectivement, après, il y a une contrepartie qui va être donc les comptes de la classe 3. Et effectivement, en fonction, je dirais, de vos produits, eh bien, effectivement, on va constater soit des produits finis, vous voyez, donc par tout ce qui est 35, ou le 37 sur tout ce qui est stock de marchandises. Alors, je vous rassure, normalement, les comptes de la classe 3, ce n'est pas vous qui allez les saisir. C'est votre expert comptable qui va... c'est une de ses missions en fin d'année, où effectivement, pour établir le bilan, si vous êtes bien sûr une entreprise de négoce ou une entreprise industrielle, je ne parle pas des entreprises de services, il va vous demander ce qu'on appelle un inventaire. Donc, l'inventaire fait partie. C'est un document qui fait partie du bilan et qui va donc constater votre stock qui va rentrer ensuite dans l'actif du bilan. Et donc effectivement, il va saisir des comptes soit 37 ou 35.